Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager et intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne là que j'ai une information sans problème. On a démarré journal là encore avec dossier Arnel Bélizer, ancien député Delma Tabar. Nous connaît, ça vient deux jours qui était recevoir balle et qui a pris soin dans l'hôpital. Un moment n'a pas les là. Donc ancien député a proprement pas mal après. Il était recevoir plusieurs balles dans la zone Kafou, payant plusieurs opérations qui faites pour retirer balles. Il était recevoir dans Kolio, réussi selon proche Anel Rio, Belize et Docteur Yo qui continue à faire tout ça qui n'est possible pour mettre Anel Belize capable de retourner vivre comme avant. Dernière nouvelle qui sortit sur état santé Anel Belize Rio révélé une grosse amélioration par rapport à la première information qui t'a circulé, qui t'a montré en pile chance pour ancien député à Pata Vive. Donc, première information, c'était ça, mais dernière information qui a vu une jeune nuit là, montrer en pile amélioration. Oui, en pile amélioration, et nous apprenons Anel Belize à aller dans le pays et Cuba pour continuer à recevoir soins, cali et nécessité. Anel Belize qui était recevoir 4 balles, hein, selon dernière information, dans Ataxa qui était faite contre l'autre monde qui a plusieurs. Zone Kafou payant. Donc, dans le moment, il y a une manifestation qui prend direction quartier Bel Air et nous venons avec de l'autre réaction ou bien témoignage dans le journal là en matin sous dossier ça, mais c'est pral tout à l'heure. Oui, Anel Belize qui victime lorsque il était trouvé dans la tête yon manifestation jour 29 mars qui s'est passé à contre insécurité à kidnapping. Bon côté pas organisateur marche 29 mars nan dit au même yo satisfait parce que mouvement populaire ça a réussi. Collectif 4 décembre yon organisation qui était lancé mouvement ça salué et puis félicité courage membre population qui te répond présent sous béton pour exprimer colère face à un bandit qui prend j'arrête dans le pays. Initiateur dit poser bon gens action y a plein de gouvernement pour couper phénomène insécurité à sinon mobilisation après poursuivre. Initiateur dit y a plein de gouvernement poser bon gens action pour couper phénomène insécurité à sinon mobilisation y a pas continuer. Nous parlons de Jean-Paul lundi pour un reportage. Nous avons réalisé ensemble une marche le 29 mars dernier. Et le thème principal de la marche était « Un nous lever campé contre kidnapping, insécurité et la vie chère ». Objectif organisateur marche ça, c'est clair ou clairose. La vie chère, activité bandit qui a fait d'appuyant sous malheur et malheureuse, fléau ça y a cap gangrené société haïtienne pousser divers mouns dans la population à descendre sous béton. Yon réussite totale capitale, d'après Jean-Robert Argan, qui est membre collectif 4 décembre, t'a cité quelques raisons qui fait le satisfait. Parce que la marche s'est déroulée sans aucune violence et que la population a répondu un très grand nombre. Milliers et milliers de monde qui participaient à la marche là, c'est des monde qui vraiment ont vaincu la peur. Population a vive chaque jour bon Dieu mette à qui on la pérèse. Chaque monde paix pour bandit pas fait la dernière sou yo, mande yon dividal cob pour rejoindre libération. Aucun secteur pas épargné. Face à sal relé, yon bagay personne pas doit accepter. Clarence Renoir considéré full moun sa yo qui te prend ou Delma, c'est yon réveil patriotique. Marche ça, c'est début d'un réveil citoyen que lié. Dit nous pas capable. Son réveil qui pour accepter ça qui pas acceptable. Nous pas ka accepter vivre dans conditions inhumaines de monde qui a caché pour vivre, de monde chaque fois qu'il a sorti, il va continuer à kidnapper. Si tout le monde a l'école là pour retourner la caille, et si le monde a cherché travail là pour entrer la caille, tout ça est inacceptable. Dans la foule là, il y a une voix dépamant, le monde qui attend sous béton. Il y a un militant politique qui pat met de l'eau dans la bouche pour demander Doc Ariel Henry prend bistouril. Quitter primatie à blanche. Jean-Robert Argan regrette ça, il précise, marche ça pas de gagner pour lui à politique. Mon il y a frustration, il passe à côté du thème principal là pour exprimer. Est-ce que vous avez empêché d'exprimer la frustration? Non.
n'a rien fait pour tout le monde. Des mondes bon, nous vivons des divisions politiques. Notre marche n'était pas une marche politique le 29 mars dernier. C'était une marche pacifique et citoyenne. C'est une marche côté que nous tous nous mettons ensemble pour dire que nous avons fait kidnapping ça, pour nous mettre un point final sous lit. Kaba phénomène kidnapping là, un combat qui pas petit du tout. À travers marche 29 mars là, population te dit le bouquet, li pas capable encore si bi loi chef gang yo qui prend contrôle le pays. Insécurité ça a bandi yo installé a c'est pas madichon pays a gagné. Gen men invisible kap agi d'après Clarence Renoir. Gouvernement rete bras croisé, ça veut dire li bay bandi yo carte blanche, c'est conclusion analyse li té parti unir là. Pas faire comparaison de période à l'autre, mais Haïti pas dans état ça. Bon glissement, bon dérive que nous constatons dans société a kap développé au cours de ces 10-15 dernières années, nous dit ça, ça n'est assez. Nous dit le pays a ras-le-bol. Donc insécurité que l'homme analyse le bien, ou bien pris sur son insécurité qui contrôlée, qui manipulée, qui sponsorisée et qui tolérée en plus dans le pays. Initiateur a lancé un pinga par le premier ministre. Il n'y a pas de promesse encore, ni aucun discours pour faire ti bébé dormir. Bon j'ai action pour faire face à la réalité, résoudre le problème insécurité, exigence en clé. Que nous rendons fonctionnel instance de sécurité nationale. Que mettez en place éventuellement au collège mixte de la sécurité publique. Que autorité ou prend responsabilité yo. Que yon mettez appareil de sécurité l'État en action, puisque yon gagne l'argent dans yon pour ça, yon a touché pour ça, pour que la population en sécurité que la demande. Kembe flambeau mobilisation en tous les mains, c'est ça qui peut arriver fait. Sinkwepe Jean Gadi Maisonneuve, mouvement qui a fait dans la RIA contre kidnapping. Pral gen tipiment là-dedans. Nous en concertation avec un pile groupe, demander toute population retenir nous et n'a lancé ou l'autre et laisser ça nous pas responsable ça qui gen pour passer. Et nous faire commencer bataille là jusqu'à ce que nous joignent ça nous besoin. Qui ça nous besoin? Nous besoin la paix, nous besoin la sécurité dans pays là. Nous pas veut kidnapping. Dans département Sud-Est, Sid ak nan l'Ouest, plusieurs milliers moun di fòk kidnapping lan kaba. Autorité yo dwe mete gang kap kontrole antre Sid capital la nan kwa de bouke nan rol yo. Mais kri population an pa antre nan zorey premier ministre Ariel Henry. Divers lite politik wè solution an, c'est équipe tête calé 3e version an ki dwe bay deyèl d'étape pou installer yon gouvernement coupé fâché. Une grève qui était amenée depuis plus passé un mois dans pire l'hôpital public pays a finalement levé d'après syndicat travailleur l'hôpital là. Le vice dit au prend décision ça suite à qui on rencontre yo te gain avec autorité ministère santé publique yo mercredi 30 mars qui saute passé à mais tout pour éviter citoyens et citoyens yo continuer perdu la vie yo à cause soins de santé. Et il y a une disposition qui prend bon côté autorité la santé yo, pour répondre à ensemble revendication grévition dans cadre contre ça. C'est une de quoi présidente syndicale hôpital là, Evelyne Frémont. Même si grève l'enlever, activité au poco reprendre comme ça droit à cause poco gain matériel pour docteur Yovine travail d'après Evelyne Frémont qui était dans micro original Rémi. Yon mois 10 jours depuis que nous-mêmes syndicat entamé en grève pour bon condition de travail. Côté que les malades yo vini l'hôpital général pour être capable de joindre bon gens soins de santé et puis ajustement de salaire par rapport à coût de la vie hein, que ça n'a pas touché elle pas qu'à répondre à besoin nous. Petit cas de débit et puis assurance au Fatma qui pas utile nous rien. Je dis à là nous juger bon l'hôpital général c'est un plus gros centre hospitalier au pays, un hôpital de référence, un hôpital université. Nous pas ta qu'à grève pendant une longue date. Nous fait plusieurs rencontres avec autorité sanitaire yo, mais jodi a nous rive nan fin grève là. Pour nous-mêmes, syndicat l'hôpital général grève la levé parce que grève la levé mais travail pour ka reprendre. Pour qui ça? Parce que pas oublier que l'hôpital là pas gain rien. Faut que nous commencer ouais, autorité ça avec matériel sanitaire à prendre travail toutes sortes pour permettre que les malades là viennent l'hôpital général pour joindre bon gens soins de santé et faut ajustement de salaire nous. Jodi an là lèk nous toucher un chèque nous toucher le matin puis ta nous bagon good mes amis li pas normal c'est ça que fait nous mandé autorité sanitaire yo recalculer bagay yo. L'hôpital général qui sont l'hôpital de référence nous souhaiter que les malades la vini pour li capable joindre bon gens soins de santé. Nous pas capable punir une population avec un petit cas de débit, ça li pas normal. Un cas de débit nous connaît que un jour faut que
yo ta coupé. C'est vrai que autorité nous chita avec eux, yo fait nous raison. Heureusement tout fenatraste là pour pas dire nous même syndicat l'hôpital général nous t'a négocié en bataille. Ça pas n'en penser nous. N'a bataille pour conditions malades, conditions employés pareil nous. Qui entente qui joigne mais avant que population retourne l'hôpital général, fuck autorité sanitaire yo faire rentrer matériel de toutes sortes dans l'hôpital là. Pas un good pour acheter matériel de même que carburant mes amis. Imaginez dans laboratoire, patient qu'on pique n'importe 4 5 fois à cause que depuis on prend courant sans gâter. Jodi a bagaille mandé pour l'état font l'autre calcul pour population parce que l'hôpital général représente une plus gros hôpital payant, il pas supposé à bailler vieux soins ça OK les maladies venir pour venir. En tant que journal ce que ça nous était d'accord. Nous était d'accord avec matériel pour permettre que moun k'ap fréquenté l'hôpital là joine bon gens soins de santé. Et puis ti cadre de bien son véritable problème côté que l'état dit que pas gen moyen pour satisfaire 14500 employés et santé publique. Pour tête ça même grève l'an dire comme ça. Moi-même moi toujours dit autorité yo, les apporter avec matériel, c'est pour matériel pour qui là pour 2-3 mois. Son matériel k'ap durable. M'suis pas d'accord grève tout temps en dans l'hôpital général. Chaque ministère gon budget de fonctionnement. Budget de fonctionnement yo bay ministère ça, c'est pour permettre que surtout santé publique, l'hôpital nous yon ka bayi, malade ka fréquenté l'hôpital yon bon yon souhait de santé, oui. C'est pas pour un budget de fonctionnement ça fait bagay par avèl, c'est pour acheter matériel mettant dans l'hôpital là. C'est pas pour un budget ça que yon bayi ministère santé publique, surtout pour faire l'autre bagay. Qui engagement pour une question matériel yon? M'konnen pour le moment que 25 000 gallons carburant ka rentré l'hôpital là. Premièrement yon pral fait nettoyage l'hôpital là, carburant a vini, matériel a vini. Mais ajustement de salaire, non, nous connaît que son bagay national, c'est pas ministère santé public qui prend ça en charge. Vous connaissez que un point gaz qui sont produits transversal. Je dis là, à la mythe que gaz a monté, et ça allait nous pas arrêter. Faut qu'il augmente tout. N'a pas tourné dans l'actualité politique, le côté collectif, ancien député, dans l'opposition, qui était signé encore 11 septembre, là, viré Dobay Ariel Henry. D'ailleurs, en résolution, il a adopté hier, jeudi 31 mars, la députée Abel Décolline, porte-parole, Kadora, fait qu'on est, il a désolidarisé, il a gouvernement illégitime de facto Ariel Henry pour reprendre position Kadoa qui parlait de incompétence à clientélisme un gouvernement qui n'a pas fait rien pour joindre un consensus pour résoudre crise politique là une crise pour saccager politique sans pareil qu'un pays à membre city politique ça qualifié de mauvaise gouvernance façon Ariel Henry a allié Lio a mené bac pays à guerrier. On a pas le suivant. Partage à quoi la résolution, il prend dans le cadre de l'Assemblée générale, prend position pour le désolidariser li avec le gouvernement Premier ministre Ariel Henry. Même Jean a campé l'autre groupe politique qui était signé accord Ariel 11 septembre l'an, mais dans le dernier moment, yo, qui désolidarisé yo avec Premier ministre illégitime de facto Ariel Henry Kadoa. Collectif ancien député dans opposition finalement décidé retirer koyo dans accord 11 septembre lan, et puis désolidariser yo à gouvernement illégitime Ariel Henry. Sion, ancien député en tout cas précisé circonscription Mire Baléa Abel Décolline porte-parole Kadoa qui qualifié de mauvaise gouvernance gestion équipe de facto affaire de pays. En définitif, Kadoa considéré gouvernement Ariel Henry comme une équipe incapable. C'est le fait que Kadoa a constaté gouvernement Premier ministre Ariel Henry non seulement n'est pas arrivé le bail sécurité, n'est pas arrivé combattre climatique d'Apignan, mais nous constatons que gouvernance là, c'est la mauvaise gouvernance, c'est le clientélisme, c'est le népotisme et puis c'est un gouvernement qui n'a pas fait effort pour que gagner un consensus. Donc voilà, maintenu Kadoa position ça. Depuis plus passé 8 mois, il est arrivé dans tête gouvernement de façon illégale et illégitime, mais grâce à un tweet confié l'ambassadeur étranger qui a crédité en Haïti, Ariel Henry sentit les bien choqué. Oua pa cousin, président Pabopel, il n'a pas aucune préoccupation pour les gens qui ont mouru à kidnapper, donc il n'est pas responsable. Misère population a pas pour lui. Il offre tête li à toute équipe li tout privilège dans l'état malgré qu'est-ce l'état souffre poitrine. Nan niveau ça, porte-parole Kadoa a dit structure politique ça de refuser faire complice gouvernement ça. Que ce soit Kadoa et de l'autre entité, t'es toujours dénoncé non en application à quoi.
c'est pouvoir, c'est gouvernement ça qui pas montré li à la hauteur. Donc c'est ça que fait nous-mêmes dans niveau cadre, même gens de l'autre entité signataire à quoi fait li, nous dit non pas entendre complice de un gouvernement qui pas atterri, de un gouvernement qui pas bail résultat, de un gouvernement que peuple n'a pas fait confiance. En tout cas, Abel Décolline estimé Ariel Henry bien un pilote complice qui accompagne il dans mauvaise gouvernance l'état pendant dernier 8 mois ça yo. Li koué, ça lègue les faucons yo qui continue vle kembe pouvoir sous sang ak misère population an, gen pour rendre compte yon jour kou yon lot. Une coalition de Bazio, c'est une nouvelle structure qui est lancée hier. Coalition, ça a pour objectif empêcher les dirigeants politiques de continuer à utiliser les militants pour défendre l'intérêt personnel. Protestataires, ça qui a exigé intégration militant dans la boîte l'État, menacé de lever campé dans le jour qui venu pour aller chercher, d'après ça, dit récompense bataille, au tape mené sous béton. Mais certains dirigeants politiques dit qui a occupé certains postes dans l'État. Coalition, bail premier Ariel Henry a un ultimatum jusqu'à 15 avril pour changer Katel Mairie avec direction générale. Sinon, il y a le Vécampé. Il après l'autre, James Josie, la Kétienne Yvenéa, il y a un micro, Gerline Maurice. Je dis à nous venir avec un nouveau succès qui est coalition. Ensemble, des militants de base qui moutent. Nous mettons tête nous ensemble, nous voyons un signal clair par les dirigeants. Cap fait politique en dedans pays. Coalition ça, nous pas gain leader, nous pas gain dirigeant, c'est nous-mêmes qui dirigeons tête nous. Nous monter coalition ça pour nous faire ensemble de nèg ak femme qui n'ta bataille qui gain poste nan meyo, nous dit nan jou kap vinn là nous même j'en t'ai commencé faire devant planification et ensemble de l'autre côté que nous connaît nous gain pas nous. Nous pral marcher chercher parce que nous-mêmes ni les élites pour nèg ça aussi suspend prend deux militants fait un service pont. Et Osmila, petit frère, nous dit nous-mêmes, nous ne pouvons pas chercher pas nous, parce que l'un de bataille, tout le monde est ensemble de militants. La coalition ça, que nous montons, nous dit tous les leaders politiques. Pour exemple, avec ensemble des jeunes femmes, jeunes garçons, je dis qui mettent tête ensemble pour faire une seule bataille pour nous dire non, Haïti a avancé. Si que nous ne mettons pas tête ensemble pour nous retirer Haïti dans tout ça qui est lié. Demain, si Dieu veut, petit, nous pourrons parler, nous mal, nous pourrons demander qui ça nous fait. C'est ça que fait. Ensemble, des nègres, jeunes femmes, jeunes garçons, nous mettons tête nous ensemble, nous disons, nous ne pouvons pas camper la bataille, ça qui nous a mené, et nous mettons chaque fois nous bien bas devant, ensemble, des jeunes garçons, jeunes femmes, pourquoi dans la coalition, ça, que nous montons, là pour arriver plus loin, et pour arriver plus loin, nous mettons quoi que, faut que nous quittions la même ligne, ça qui nous a quitté, et nous continuons avec tout. Jeune femme ça va, jeune garçon ça va, pour nous vivre pays, hein, pour nous mettre sur le vrai rail développement, et pour nous mettre pour une bataille, et bataille ça va camper, et nous-mêmes nous continuer. Fuck, militants ont intégré dans la boîte d'État. Fuck, militants ont joué une paille dans la boîte d'État. Dans ce sens-là, nous venons dire à Ariel Henry, faut qu'il change Katel Mairie. Délégué des villes, il faut qu'il change, parce que c'est même monde qui était là, les kidnappings. C'est mettre pied dans le pays, les journalistes, les PHK, c'est eux-mêmes qui sont toujours dans la tête mairie, c'est eux toujours délégués des villes. Ça nous dit qu'il faut un changement là-dedans. Et nous allons aller à Henry jusqu'à 15 avril. S'il ne va pas changer Katel Mairie, direction générale, jusqu'à présent, qui n'a pas mes PHK, qui n'a pas mes journalistes, qui a fait ça, qui a fait quoi pour faire kidnapping, qui a fait quoi pour mettre sécurité dans le pays, nous disons à Ariel Henry, il faut que nous changions. Nous disons à Ariel Henry, manger où j'ai une solution. Nous allons aller 15 avril à Vina. Pressé, s'il va faire ça, nous demandons, mettez chez ma salle de pied à terre, mettez chez ma salle de pied à terre, nous avons 10 départements de pied à terre, même au niveau 11e département qui fait diaspora, nous mettez bien nous à terre pour nous dire à Ariel Henry, la guerre. L'administration Biden n'a pas réel pour camper sous utilisation loi qui relève titre 42 qui te permet de refuser demande d'asile à migrants qui a passé sous frontière américaine. C'est yon représentant l'État Floride là dans le Congrès à Frederica Wilson qui a annoncé nouvelle là hier jeudi pendant une conférence pour la presse. Mais ça a été adopté depuis sous président Donald Trump une manière pour te soi-disant empêcher propagation coronavirus dans le pays. Selon congressman Frederica Wilson, gouvernement fédéral là t'a droit à annoncer fin disposition ça d'ici 23 mai. Cap Vinila sous place depuis État Floride aux États-Unis.
administration Biden nan, selon plusieurs parlementaires qui organisaient yon conférence pour la presse dans centre culturel Little Haiti hier jeudi a yo fait connaître titre 42 a qui c'est une loi qui était adoptée sous président Donald Trump qui était prévoit pour empêcher des migrants traverser frontière américaine yo pour venir États-Unis sous prétexte que propagation coronavirus ta ka et vinn bay pays a problème et bien parlementaire ça a annoncé que mesure santé publique ça li ta doué camper et administration Biden nan ta doué faire une annonce publique que weekend nan avant même li fini et décision ça ou bien mesure ça pour camper sous utilisation titre 42 a li ta doué annoncer officiellement d'ici 23 mai cap vini là. Donc c'est avec un sentiment la joie en pile réjouissance que représentante américaine l'état Floride la Frederica Wilson t'a annoncé nouvelle ça pendant conférence pour la presse là qui t'a réuni plusieurs parlementaires qui sont dans même état ça et faut nous dire que conférence en ligne t'a organisé après et plusieurs rapports que parlementaires ça a dit au gagner sous administration Biden nan, qui pral camper sous disposition ça j'en te dis qui t'est adopté qui t'est permettre que gouvernement fédéral là de refuser plusieurs milliers migrants rentrer à travers frontière américaine yo et spécialement moun k'ap vinn et mandé asile aux États-Unis. Gen sénateur état Floride Chevron Jones qui c'est un démocrate qui lui-même et li qualifié titre 42 a comme un mur invisible entre États-Unis et migrants yo. Il était tout profité pendant conférence pour li critiquer administration Trump plan qui était adopté mesure ça qui selon ça le dit et pas de gain en quel fondement scientifique c'était un bagaille qui vraiment te gain des considérations politiques. Alors ça qui pral annoncer là qui c'est et camper administration Biden pral camper sous utilisation titre 42 a alors c'est après une série de plaidoyer et plusieurs correspondances que des sénateurs te voyé by président Joe Biden côté ont demandé pour yo annuler et loi ça qui lui-même té nuit en pile migrant yo et il té favorisé en pile mauvais traitement et sous frontière particulièrement n'a rappeler ça qui t'est passé en Bapon Texas là mais Congrès Roman Frederica Wilson li, c'est vrai que il dit que disposition ça yo ta doué annoncer que au camper sous li d'ici 23 mai cap vina mais il dit faut que responsable fédéral yo prépare yo parce que après au fin camper disposition ça yo met attendre pral mon éventuelle augmentation arriver migrant sous frontière ça parce que il dit et ça qui est important pour yo c'est un bon traitement pour migrants particulièrement haïtiens parce que autorité ont utilisé loi ça pour te maltraiter non seulement migrants haïtiens et l'autre migrants mais tout te refuser bay refuge aux États-Unis qui selon parlementaire ça c'est une terre d'accueil pour toute nation à travers le monde là. On a parlé pour monde qui passait à travers frontière terrestre mais qu'on a gain en pile haïtien qui rentré aux États-Unis ces derniers jours par l'an mai et qui avantage on décision qu'on ça gain pour deux haïtiens qui étaient voyagé tout récemment et qui étaient aux États-Unis qui pas bénéficier TPS là. Alors pendant que gain des dispositions qui a prend pour empêcher mon rentrer sur frontière là haïtien continue à passer par la mer. Alors, titre 42 a c'est une loi qui était adoptée sous Donald Trump pour t'empêcher mon entrée et yo te prend coronavirus là comme un prétexte pour dire que yo pas quitter mon entrée comme ça pour éviter propagation. Donc moun ka rentre sous bateau yo, autorité américaine yo continue encourager pour yo pas et initier ou bien rentrer dans l'aventure ça yo parce que depuis arrivé sur territoire là il a voyé yo tourner. D'ailleurs gagné récemment là des groupes haïtiens qui rentré et sous côte Floride là gagné là d'ailleurs qui ont déjà voyé tourner
Donc titre 42 a c'est plus pour moun k'ap passer sous frontière, yo pas considéré moun k'ap passer sous la mer. Donc automatiquement moun passer sous la mer, autorité américaine yo clair sur ça, c'est déportation lié. C'est vrai que y a recevoir moun yo, y a ba tout traitement que yo doit ba yo, mais depuis c'est de manière illégale j'ai ou passé sous la mer, c'est clair que c'est déportation qui attend moun sa. En parlant de déportation, faut nous rappeler et Pierre Renel et mesurer que Dieu ça lui-même et lui adopté ou encore mesure ça au pral camper sous lui qui c'est titre 42 a et il y a une raison que parlementaire était râlé c'est dernièrement là et en bas pont Texas là tu as une image qui te fait le tour réseaux sociaux yo côté tu as des agents frontaliers qui étaient sous cheval qui t'a bat des haïtiens pour faire et migrants pousser et pas rentrer sur territoire américain et pendant conférence là tout parlementaire ça yo retourné sous des chiffres que yo estimé qui paraît très accablant les a comparé avec de l'autre administration yo dit que depuis le Joe Biden monté a gagné environ 21 000 haïtiens qui yo même déporté venir en Haïti. Yo parlé de période depuis 1er février 2021. C'est donné ça au que même yo communiqué et yo dit récemment là gagné un avion qui était rentré en Haïti qui était porté moun déporté et expulsion ça qui fait dernièrement là c'est 212e et voyage migrant qui fait sous administration Biden là. C'est une façon pour montrer que pendant et Joe Biden monte dans tête et pays les États-Unis gagne plus monde qui déporté que plusieurs autres administrations qui t'est passé. Donc en parlant de TPS, gagne en pile monde déjà qui applique pour TPS là, yo mesure que administration Biden a adopté année passée côté ou t'est redésigné Haïti pour TPS par rapport avec situation socio-économique et sécurité. Et yon metteur qui vient dans le pays. Les yeux, TPS, ta, nouvelle TPS, ça, il te prend. Il permet tout haïtien qui est arrivé sous sol américain jusqu'à 29 juillet qui s'est passé à, yon capable d'appliquer et rester temporairement dans le pays.